Je suis ravi de cette quatrième édition des Albi Jazz Festival. Dès mon arrivée en septembre, j'y ai clairement rappelé que je voulais le conserver. Il apporte un plus indéniable à notre programmation. Nathalie Besançon, nouvelle directrice de la Cine Nationale Savour. C'est une période où il n'y a pas beaucoup d'événements populaires. Il va permettre d'apporter de la fête. C'est très important toujours, oui. Albi Jazz Festival a une programmation partageuse avec les concerts dans le Grand Theatre et ce Magic Mirror. Les gens peuvent entrer gratuitement pour écouter du bon jazz. Côté organisation, la machine est rodée. Elle, équipe est très enthousiaste pour tout mettre en place. Ça aussi, c'est un plus pour nous. On sent une stimulation collective, une vraie envie communicative. Albi Jazz, c'est déjà un de grande qualité. On aura une attention particulière pour Lionel Suarez, qui a fait toutes ses gammes ici, à Albi. On peut citer elle, originalite de Thomas de Pourquery, la qualité du Suarez Trio Gadal ou de Tose Caldi Quintet. Bref, ils sont tous bons. En tout, 10 concerts dont un à Cap de Couverte et un autre à elle, Apollo de Mazamet. Le reste de la programmation se déroule au Grand Theatre des Albi. Ce festival, est aussi un off day, une densité rare, avec des mini-concerts dans les rues et dans différents lieux albigeois. Ajoutons ce Magic Mirror qui va proposer de midi à minuit durant tout le festival, des concerts, sessions, improvisations gratuites autour des un verre à boire et une assiette de victuailles. La nouveauté de 2023, c'est la Creation Day, une foire au vinyle le samedi 21 janvier de 13h à 22h, dans le hall du Grand Theatre. Je trouve que là aussi, cela a un sens. Van Mim Tank, un nouveau disquaire dans la ville, soutient la directrice. Il n'y a pas un jazz mais des jazz, avec chacun, son univers. Est une musique de fête, de libère. Univers que elle, on veut faire découvrir. Il n'y a rien de plus beau que le partage que ce soit au Grand Theatre ou au Magic Mirror à Voutel, promettant d'enrichir le festival pour les prochaines éditions. Cru ou pas, le jazz en voûte. Se réchauffer et savourer une art, une scène de musique, mérite un de plateau.